Bonjour, je m'appelle Donald, je suis pilote de montgolfière depuis environ 20 ans et j'ai la plus belle job au monde. Moi, je suis un petit peu comme un capitaine de bateau où ce que je vois, que tout se passe, je m'occupe de les passagers, je regarde la météo. Ce matin, il n'y a pas grand vent, donc... Je m'assure que tout se fasse dans les règles de l'art. La montgolfière, c'est bien simple, OK? Je pense que c'est une des façons la plus pure encore de voler. L'air chaud monte, l'air froid redescend. Moi, la seule chose que je peux contrôler, c'est ma hauteur. Je suis comme une goutte d'eau dans une rivière. Sans mon équipe de poursuite, moi, je ferai pas grand-chose. On est tous des aérostiers, on fait partie de l'équipe de poursuite. Un coup que le ballon est décollé, on suit le ballon pour le récupérer à son atterrissage. On assiste le pilote. Et chacun, on fait un tour de rôle, on fait les chauffeurs pour poursuivre le ballon en réalité. Très bon, il n'y a pas de problème. Le travail de chacun aussi dans le véhicule, bien, c'est toujours localiser, de ne pas perdre le ballon puis d'arriver toujours avant le ballon pour l'atterrissage, pour que ce soit plus sécuritaire possible. C'est un peu notre mandat de qu'est-ce que c'est en tant qu'équipe de poursuite. Bien, on s'entraide, là. Moi, je suis chef d'équipe d'habitude, fait que c'est moi qui donne des ordres aux gars. Là, on a pris le temps de jaser avec le propriétaire du champ. Puis, sans eux, on ne peut pas voler. On a fait très attention de rien endommager parce que pour nous, c'est comme s'il y a quelqu'un qui passera sur mon gazon avec son char. Et là-dessus, on se voit à Québec, à Festival, à Saint-Jean-sur-Richelieu et surtout à Gatineau, où ce que vous aurez la chance de voir le premier pilote bègue chantant au Québec faire une prestation sur la grande scène. Bye!